Nous avons eu une longue discussion, une journée complète sur les questions de constitution. Je crois que là aussi, c'est bien ressorti que si l'Afrique veut stabiliser sa gouvernance, légitimer la gouvernance, il faut que l'Afrique mette un peu d'elle-même dans ses constitutions aujourd'hui, qui sont de l'héritage qu'on doit assumer, mais il faut que nous puissions apporter quelque chose dans cet héritage pour résoudre les problèmes de stabilité que nos systèmes politiques et sociaux ont. Donc il faut voir comment aujourd'hui nous pouvons porter un regard sur ces constitutions qui en fait ne sont qu'une façon achevée du pacte social. Sur quel grand consensus une société doit se mettre d'accord pour gérer son avenir. Et les constitutions se résument à ça. Et pour ça, je crois que la question de l'ethnie, quelle place donner aujourd'hui? À partir du moment où la première sphère d'identification de chaque Africain, c'est sa communauté, c'est son ethnie. Au lieu de continuer à refouler ce problème, quelle place donner à l'ethnie aujourd'hui dans nos constructions institutionnelles? La question des langues, même si on n'a pas bien débattu, mais là, cette question est sortie aussi. Comment aujourd'hui donner de la place dans les institutions, dans la gestion des institutions, à ceux qui ne parlent pas les langues officielles, que sont les Français ou l'anglais ou l'espagnol ou d'autres. Je pense que c'est une question aussi fondamentale qui est ressortie. Bon, voilà des questions importantes aujourd'hui autour desquelles les questions de gouvernance doivent être structurées pour renforcer la légitimité, parce que, bien sûr, au niveau de l'Alliance comme de l'IRG, nous pensons que la question de la légitimité est au centre des questions de gouvernance.